passer en fréquence, les bonnes 13,50 à moteuse de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée.
bâtard. Ramassez la veine, lui, il va la ramasser, je le sens. Tant qu'on est dans les boulots, par exemple, le maçon,
le maçon vient faire 10 minutes de plus, on va le sanctionner pour 10 minutes de plus? Non. Mais moi, j'en connais pas beaucoup de professions qui les sanctionnent pour 10 minutes de plus. C'est pour ça que personne ne veut le faire, ce métier. Il y a trop de contraintes maintenant. Oui, et puis en plus, là, plus ça va, et puis il y en a, hein. Et puis ça va, putain, hein, comme tu dis. C'est pour ça que... Ben voilà, les mecs, allez-y, les mecs, il n'y a pas de problème, hein. Allez-y, faites des lois, faites ci, faites là. Et en fait, dans tout ça, qui pourrait arrêter plus ou moins les catomes? Ce serait les patrons, les grands dirigeants de grosses entreprises, et où ils ont la pression par rapport à pouvoir plus vite, mais non, personne ne le fait. Ils ont avalé. Pour moi, ils ont raison dans un sens, hein, parce qu'ils avaient mieux exploiter les mecs, les pays de l'Est, et à 4 euros ou 5 euros de l'heure, que les mecs à exploiter à 8 euros, parce que même nous, ils nous exploitent quand même à 10 euros de l'heure. Hein. Enfin, 10 euros de l'heure, je suis gentil, on va dire à 8 euros de l'heure. Hein. Oui, parce que 10 euros de l'heure, on n'y est pas encore. Hein. Et quand je te parle de ça, c'est en brut, hein, c'est pas net. Hein. Une femme de ménage, elle est payée aux euros de l'heure, hein, on attend, hein. Et elle fait à peine 8 heures par jour. Hein. Du sac au niveau de la casse de Nantia, là, à un moment
moment, là, t'as la route qui rejoint Corniat, hein. Putain, un moment, un peu avant d'arriver là, avant d'arriver à la place, putain, je vois une couleur déjà de couleur et tout, putain, on met les plans qui font des artifices, bon. J'arrive au niveau de la place, mon plan, et je suis juste au plan de la place là, juste après la route de Corniat, dans le virage, putain, je vois deux boules, qu'est-ce que c'est ce bordel que je tourne la tête, ah oui, ah mais là j'ai dit là, pas bon. M'arrête, marche arrière, les warnings, tu prends la lampe. Parce que quand tu vois des feux de gabarit qui éclairent le ciel, c'est pas bon signe. Hein. Et il y a un porteur de chez Perreno, le mec il est arrivé de Tivier direction du sac, mais dans le virage, il a fait un tout droit. Et il y avait un poteau, en béton, mais il a coupé le poteau en béton. Putain, là, le truc, le machin... j'appelle, machin, putain, j'entendais pas de réponse. Puis à un moment, j'entendais, tu sais, comme on parlait. Enfin, j'ai dit, c'est peut-être la radio, parce que quand je me suis arrêté, le moteur tournait encore. Donc, il venait de le faire, hein. Et du coup, mais quand j'ai vu ça, j'ai pris le téléphone, j'ai fait le 15, j'ai appelé les pompiers. Et puis, à un moment, j'ai dit, bon, qu'est-ce que je fais, je vais voir si le mec, machin. Et en plus, le problème, c'est qu'il était malheureux, enfin, il n'a pas changé non plus. Hein. Il avait la cabine, si tu veux, couchée côté droit. Et là, donc les roues, si tu veux, elles étaient à ras d'un tas de ronces. Et le problème, c'est qu'avec le poteau coupé tout le bordel, moi, je ne savais pas trop. Hein. Et puis, j'ai dit, attends, j'ai dit, si je descends et que je vais voir le mec là, pour voir si ça va tout le machin, puis que je vais repisser le sang avec. Et puis un moment, j'ai vu une tête passer par la fenêtre. Bon, j'ai dit, c'est bon. Puis ça va, bon. Puis le mec, complètement dans le coltard. Mais comme moi, quand je me suis planté, pareil. Hein. Et le mec, mal aussi. Le mec, c'est Dieu. J'ai croisé les flics après, mais bon, je n'allais pas rester là. Mais bon, après, en attendant, je suis resté entre le moment où je me suis arrêté et le moment où je me suis barré. Ouais, j'ai bien dû rester 20 et 5 minutes avant que je me suis arrêté. Donc après, ben voilà, le truc, c'est que quand les pompiers sont arrivés, donc comme le mec était sorti du camion, il était en haut sur la... assis sur la caisse, et bon, il a juste dit au pompier qu'il avait un peu mal à une jambe, mais je pense que ça c'est un peu avec le contre-coup. Et autrement, il n'avait pas l'air d'avoir quoi que ce soit, il n'avait pas l'air de rien, donc bon, dans l'accident, c'est du matériel, donc on a un peu de façon pour le faire, voilà, les agents sont compliqués. Thank you.
t'ai envoyé chier par certains chasseurs du 24 là. D'abord, sur quoi? Mais quand il marquait qui pour dimanche chasser la chèvre ou je sais pas quoi là. Putain, il y en a certains, mais je savais pas qu'on pouvait chasser les chèvres de gibier. Attends, j'ai pas compris là. Tu sais, sur un truc, il avait marqué parce qu'il cherchait du monde, tu sais, des tireurs pour aller chasser la piquette, le chevreuil. Et lui, sur son annonce, il a marqué qui pour chasser la chèvre. Alors tu comprends bien qu'il y a des chasseurs, chèvre, ça se respecte pour un chevreuil aussi. Donc que tu dis chevreuil ou des trucs comme ça, mais pas chèvre. Ben oui, ben oui. C'est combien, putain, combien qui disent pour les sangliers, ils disent des cochons. C'est-à-dire qu'il y a un certain ami. Oui, bah après, entre nous, oui, puis on est. Enfin, moi, je suis plus habitué à dire. Bon, le chevreuil, dit chevreuil, mais. Je suis plus habitué à dire. T'es voilà le cochon que Tanguy, mais bon, après, c'est entre nous. C'est vrai que. Puis après, c'est vrai que sur Facebook, allez dire. Ah, ouais, la chair, la chair. Après, il faut respecter aussi. Hein. C'est grand, hein. Si j'ai pas de retour, je partais tard, on va me mettre comme un téléphone pour ça. Hein.